Bonjour à tous et bienvenue. Oxygène not included. On est dans la nuit du 108e cycle. Alors, il y a eu la mise à jour de fait que je vous montre ça. Voilà, ça concerne la qualité de vie. Donc, cette fois, on a des petits pots à suspendre, des trucs pour mettre sur les murs, aux angles. Il y a pas mal de choses supplémentaires. On peut mettre des choses au plafond, dans les coins, un piédestal pour mettre une statue dessus ou ce qu'on veut. L'étoile blanche, maintenant, ça demande de la fibre, donc ouais, on peut plus les faire simplement avec du métal brut. Donc voilà, c'est pas mal. On a une nouvelle qualité de vie disponible et au niveau des recherches également, eh bien, il faut les upgrader au fur et à mesure pour avoir différentes choses, des tableaux différents, tout un tas de choses, des statues différentes. Bon, ça demande davantage de recherche. Ok, c'est très bien. Où on en est? Je suis en train de construire. Alors, oui, on va laisser tourner. Je suis en train de construire une deuxième salle médicale ici parce que ben ça va pas fort au niveau du système immunitaire. Deux qui sont à 4%, Mae et Max. Et là, c'est attribué à qui? Stinky, Otto, et ces deux-là, Harry et Camille. Ouais, c'est un peu craignos tout ça parce que ben on a pas mal d'oxygène pollué dans la base. Bon, je vois qu'on a pas mal d'algues ici, 6 tonnes. Donc vraiment, je vais monter un peu plus la priorité de ces choses-là pour avoir de l'oxygène pur. Voilà, à pression de gaz maximale. Zut. Peut-être qu'il me faudrait creuser là en bas pour faire tomber le CO2, pour diminuer la pression. Les trois algues et terrarium ici font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Voilà, j'ai les 4 lits qui sont occupés. Ouais. J'espère que ça va remonter. Est-ce qu'on peut faire... Ah oui, alors ils ont changé là aussi la façon de visualiser ce qu'on peut fabriquer. Si je veux faire des tablettes vitaminées, je n'ai plus de fleur de lys. Mais ça fait rien, je vais en commander 6, mettons. Voilà, et puis on verra bien quand ils en trouveront. Des fleurs de lys, normalement, graines de lys démarrées, j'en ai deux. Mais ils peuvent aller éventuellement en chercher, ça n'est pas ça. Si, fleurs de lys démarrées. Ah ouais, mais là on peut pas y accéder. Alors ce que je vais peut-être faire, c'est faire une entrée directe par là. Je pense qu'on peut, ouais, ça sera mieux que de leur faire faire à tout le tour. Voilà, comme ça, on va éventuellement creuser celui-là. Ok. On va faire peut-être un système... Oh, ça a tout changé là aussi, là. Un système de récolte automatique de ces machines-là. Pourquoi pas ces machines-là aussi. Là, on peut pas... Si, on peut passer là. On va voir, je vais mettre ça en récolte. Voilà. Allez les copains, à pression de gaz maximale. Ça c'est un petit peu embêtant. Alors j'ai rajouté, ou je vais rajouter en fait des... On a quoi là? Oxygène. CO2, oxygène. Bon. Je vais rajouter un appareil ici, là. Pour ici, là, comme ça, pour qu'il alimente en sable automatiquement le purificateur à eau. Bon, normalement, c'est bon, il atteint du fer. Ok, on a quoi à minerai raffiné? 900 kilos à peu près. Ok, ça va aller. Bon, j'ai pas beaucoup d'eau. Là, le fait d'avoir remis les toilettes comme ça va me rajouter encore de l'eau polluée, ok, qui pourra être traitée. Mon appareil ici marche pas mal du tout. Voilà, la température baisse.
Et quand il arrive à moins de 20 degrés, hop, il renvoie de l'eau ici. Mais je vois que le niveau diminue. Là, ça se maintient à niveau. Il faudrait que j'aille explorer, mais ils sont pas au top de leur forme là. Pour l'instant, j'ai pas de recherche. C'est bon, je vois que ça remonte. Ouais, allez, quelqu'un vient s'occuper d'eux. On est 11 duplicants. Il faudrait également que je coupe mon circuit électrique de façon à le séparer là. Les câbles, c'est 3000. Là, ils sont à 3000. Combien? 3170 watts. Ouais, il me faudrait faire à 4 appareils de 1000 watts et pourquoi pas les faire en dessous ici. Mais il me faudrait creuser dans la gadoue là. Bon, on va laisser faire comme ça. La pression de gaz est maximale. Il me faudrait consommer de l'air ou agrandir ma base en fait. Ici, j'aimerais bien monter vraiment voir ce qu'il y a là. Ah là là, il y a un gros truc de vase. 1 million de germes. À moins de passer par là. Là, il y a de la chlorine. Ça ferait peut-être pas de mal d'en faire tomber un peu dans la base. Quelqu'un va s'occuper des malades là, j'espère que oui. Allez les copains. En bouffe, on est plus que bien. Ici, voilà, je leur ai dit de faire de la baie fibreuse. Vous voyez, ça a tout changé là, la façon de faire. Donc ça c'est bon. Et là, on fait plus rien. Mais c'est pas gênant. C'est pas gênant, on va laisser comme ça. Les frigos sont pleins, mais pareil, je veux pas en remettre. Faudrait vraiment que je fasse un système de passion d'oxygène avec de l'hydrogène. Pourquoi pas le faire là-haut? Là, j'ai 1500 grammes. Ah non, oui, 1500 grammes d'oxygène et pas mal de germes. Ouais, oxygène pollué, il y en a un petit peu de partout. On va ramasser ça déjà, ça sera ça de fait. Comment je vais pouvoir m'étendre. Je vais pas creuser dans la bistalite là, quoique ça serait presque le mieux, mais bon. Ah, c'est bien, là ils bossent comme des petits fous. Pas mal de choses à récupérer qu'ils ne mettent pas dans les compacteurs parce qu'ils sont en 5. Nouveau duplicant, on a, si je compte bien, un lit de libre. Voyons voir à tout hasard qui on a. Forme physique, bricolage, affaire d'excavation, c'est un mécano, intestin irritable et un respireur. Non, on rejette tout le monde. Là, on a pas mal d'oxygène pollué parce que ils ne viennent pas ramasser les trucs là. Celui-là, il est plein. Là, je vois que les douches ont un petit problème. Ouais, en attente de réparation, je sais pas pourquoi. Ben, j'espère que quelqu'un viendra. Il faudrait, voilà, finir ici, là, qu'on ait enfin la salle. Ah, là, j'ai construit. J'en ai mis une petite moulure de coin. Normalement, ça apporte pas mal au niveau de la déco. C'est là. Ouais, pas top. Bon, il va falloir ramasser un petit peu tout ce qu'il y a par terre. Est-ce que j'ai des hatches qui produisent du charbon? Mais bon, c'est pas plus mal. Je vais essayer d'activer là ces dalles. On va les mettre en 7. Voilà, pour qu'ils viennent les faire, qu'on termine la salle. Allez les copains. Ça aussi là, ça serait bien qu'on le fasse, c'est en 7.
Voilà, donc là, est-ce que j'ai ma salle? Bonus de salle, oui, parfait. Très bien. On va également nettoyer tout ce qu'il y a par terre. Je le mets en 7. Voilà, tout ce qu'il y a ici. Oh. C'est pas le bon, c'était celui-là. Voilà, en 7. De là à là pour que la salle soit un peu propre quand même. Donc là, j'en ai quasiment 4 ben, qui foutent plus rien, qui sont malades. Et on a Devon qui a encore contracté la limonchyte. 0% Devon. Oh là là, il me faudrait presque 2 lits de plus, quoi. Ils sont pas guéris là. Max, Maë. Bon, Camille est bien remontée. Harry aussi. Donc c'est quand même efficace. Je vois qu'ils font toujours des tablettes vitaminées là. On va. Voilà, on va essayer d'en faire plein pour qu'il remonte un petit peu là, les copains. Allez, c'est bien nettoyé, ça permettra. Ah bah tiens, là il y a la sculpture, mais c'était Stinky. Est-ce qu'il est toujours, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un? Anar, oui, Stinky, il l'a. Harry, chef cuisinier, est arrivé à 100%. Le plombier là, ouais, on va peut-être le faire remonter tout à l'heure. Il a un moral de 15. Oh, il est bien lui. Devon, il n'est pas en forme. J'ai 11 duplicants. Deux approvisionneurs. Ouais. J'ai un peu d'algues par ici. Ah là là, qui c'est que je pourrais envoyer là-haut? Jean, 79. Harry, tiens, ça met. Ah si, 72. Jean, il pourrait quasiment aller chercher un truc là-haut. Ah non, comment on est? Pas top, pas top. Et là, je vois que ça envoie plein d'oxygène pollué. Donc, première des choses à faire, hop, on va mettre. Un désodoriseur ici, un autre là, et même on va mettre deux. Voilà. J'espère qu'ils vont amener du sable. Ça, c'est toujours pas construit. Normalement, ils peuvent, hein, donc. Allez, finissez de nettoyer et de ramasser les cochonneries qu'ont fait les hatches. Et peut-être qu'on va avoir une statue un peu chouette. Ah, voilà, je vois également ils ont changé l'apparence des statues. Pas mal. Ici, ça dit quoi la salle? Ça dit pas grand-chose, je pense. Ouais, c'est pas génial, génial. Et apparemment, donc, je ne peux plus faire de toile parce qu'il me faut de la fibre. Si je mettais une moulure, je sais pas quoi là, je pourrais mettre une là, une là, une là. Ça cache peut-être les tuyaux. Ouais. On va voir si ça marche. Bon là c'est bien, il y en a un qui se fait soigner. Pinky, ben, c'est justement notre artiste. Voilà, l'autre il acquiert des compétences pour soigner les autres. C'est Otto qui était bien malade il n'y a pas longtemps. J'ai pas beaucoup d'eau. Si jamais je mets un appareil à oxygène, je suis foutu quoi. Ça y est, ça recommence à remplir. Que si je pouvais arriver par là, ça serait pas trop mal, je pense. Alors, on va interdire à tout le monde
de passer. Et je vais mettre juste, alors je vais préparer. Pour l'instant, il n'y a personne qui peut passer. Donc là, on va creuser dans la gadoue. On va récupérer de l'or au passage. Voilà, là c'est presque bon. Après, je pense qu'on devrait monter tout droit par ici pour voir. Ok, alors on va faire en sorte qu'ils puissent passer, les copains. Voilà, et une échelle en sandstone. Oui, on verra bien. Voilà, pour voir ce qu'il y a là-haut. On pourra peut-être pousser vers la droite, là aussi. Donc là, qui c'est que je vais faire passer? Eh bien, on va mettre Harry. Harry, il est à 85%. C'est bien ce petit Harry. Est-ce que c'est le mineur? Non, c'est Joshua le mineur. Joshua, il est à 31%. Non, non, on va pas. Bon, on va mettre Harry, Camille et Jean. On va mettre 3, on va bien voir. Donc là, de toute façon, plus personne passe. Donc, j'ai dit Jean, Camille et Harry qui est à 100%. Voilà. Je sais pas s'ils vont y aller, on va voir. La cuisine tourne plein pot. Ils ont construit les dalles de plafond là. Ça fait quoi? On va voir. Ouais, ça a mis un petit peu plus de... Ah, et là, il a fait une culture, une sculpture originale. On a de l'oxygène. J'ai pas d'oxygène pollué ici, donc je sais pas la peine que je mette un appareil. Qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter pour qu'il se sente mieux ici? Ben, peut-être qu'on va pouvoir... Ah, là, j'ai peur que ça... Moi, ouais, je vais tenter. Je vais mettre comme ça. Voilà, des moulures. On va remettre une moulure d'angle ici. Et les pots, on va peut-être pas pouvoir. Ici. Bon, on va essayer ça, tiens. Ah. On peut pas. On va voir, je vais le mettre là. Je sais pas ce que ça va faire. Un piédestal ici. Pourquoi pas? On va essayer. Hein. Voilà. Allez les copains, alors ça c'est un pot, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Ah d'accord. Oh. Plein de nouvelles plantes. Bon, pour l'instant on va mettre juste une graine de bruyère, parce qu'on en a... Ah, je peux pas. Pas de graines. Ben, j'en ai 6 là. Ah, je peux peut-être pas les mettre. C'est pas celle-là. Ah bon. Ok, bah tant pis. Oh, ça fait des belles salles avec les moulures. Allez. Paf. Et ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est pour mettre un objet dessus. Ah bah d'accord. Allez, on peut déposer un objet dessus. Ouais. C'est qui est malade, Nisbet. Ah, les rats, Nisbet. Nisbet, Devon. Et là, il a été attribué à Lera. Ok, c'est bien. Est-ce qu'ils ont commencé à creuser? Ouais, un petit peu là-bas. C'est pas top.
Alors peut-être que pour éviter la pollution intempestive, on va peut-être fermer comme ça, et on va ouais, faire un truc. Voilà, pour s'affranchir de la crasse qui est un petit peu de partout là. Ça, on n'en veut pas. De l'or, on va le garder et on va faire un truc comme ça s'ils veulent bien. Bon, ils pourront pas tout creuser d'emblée, mais voilà, déjà si on fait ça, ça sera bien. Voilà, je vais pas les brusquer quand même parce que ils sont pas top de leur forme là, ils sont pas au top. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Ben franchement, je trouve qu'il n'y a rien à mettre quoi. On peut mettre de la nourriture, une omelette, une larve de farine, ouais super. On peut rien. De la soude. Ça permettrait d'éliminer les bactéries. Ouais. Bon, ben, pour l'instant, j'ai rien à mettre. Ça y est, ils l'ont construit. Ah, il faut l'alimenter, bien sûr. Alors, on va piquer l'énergie. Là. Et comme ça, il alimentera un sable. Ça évitera que quelqu'un vienne systématiquement. Bon, on est comment au niveau de l'atmosphère là? Vraiment, on a une forte pression, sauf un petit peu par là. Les portes là, si je les ouvre, est-ce que les hatches vont passer? On verra. Ok, ils ont construit. Donc là, bah c'est bon, collecteur automatique, on le laisse faire. Hein, s'il y a besoin de sable, il s'en occupera. Voilà, ici ça construit, c'est très bien. Harry, toujours sur la brèche. Et j'aimerais bien qu'on monte là-haut, quoi. Allez, ça remonte, je vois l'immunité. Stinky, Harry, Camille. Très bien, très bien, très bien. Voilà, la vase, il la livre dans les conteneurs sous l'eau, donc ça risque rien. Je vois qu'ils ont enlevé un des vases d'eau polluée ici. Je vois que là ça fonctionne. Bon, c'est pas trop mal. Je pense qu'on connaîtra pire à bientôt. Alors, ici, ça monte là. Pas encore, pas encore. Ouais, ils sont que trois à pouvoir accéder. Tinky, Harry, Camille, Max. On pourrait rajouter Max éventuellement. Vas-y, mon petit Max. Tinky, j'ai pas trop envie, c'est l'artiste. J'ai pas trop envie de le faire ressortir, quoi. Bon, allez vous faire soigner, c'est bien, les gars. Il n'y a plus beaucoup d'eau. Et ici, ils ne vont rien chercher. Pourtant, tout le monde peut passer. Ouais, bon. Ok. Et des fois, je vois, ils viennent là, Max. Qu'est-ce que tu viens foutre, Max, ici, là? Bon, l'immunité remonte. Ah, ça c'est bon, ça. Au niveau des missions, bah, lui, il est arrivé à. Il a un moral de 18. Waouh! Bon, ça. Nisbet est architecte confirmée également. Et elle a combien, elle? Ah, elle a 9 et il faudrait 12. Ah, Nisbet, elle est pas top là. Camille, elle a 13, mais ça va certainement descendre son moral.
Lera, est-ce que je la mets en ingénieur mécatronique? J'en ai déjà deux. Peut-être pas. Bon, je vais la mettre ici, comme elle a de morale. 16. Très bien. Ben, Lera, tu vas venir ici. Voilà. Toi, t'es agent de maintenance qualifié. T'as combien de morale? 17. Oh, c'est bien, ils sont contents. C'est peut-être les nouveautés là qui leur font du bien. Ok, voilà, on change juste ça. Et peut-être que dans les chambres, qu'est-ce que je pourrais rajouter quand ils viennent dormir là? Ben justement, tous les nouveaux trucs là. Voilà, les petits corners. Paf. Ici, ça sera bien. Là, on va en rajouter un ici également. On peut les tourner, oui. Voilà, ça va agrémenter leur lieu de vie. Les pauvres, ils en ont bien besoin. Ici, la cuisine, ça va. Là, ah là, tiens, comme on peut rien mettre ici là, à cause de la hauteur des plantes, eh bien, on pourrait peut-être justement mettre ça et mettre un tas de moulures. Ça consomme quoi? On va consommer la roche magmatique. Si je les mets en granit, ça fait plus 20. Ouais. Voilà. Ça va faire une jolie petite salle où ils se sentiront presque bien. Ici, là, dans les toilettes. Ah ouais. Oh là là, c'est indispensable ça. L'ambiance est quand même relativement pourrie ici. Voilà, on va faire des petites moulures. Ah, j'aurais pu les faire en granit. Ça aurait été mieux. Ah, je les ai mis en 7. Ouais, ben allez-y, faites-les, les gars. Sur le tableau, on peut pas passer. Voilà. Ouais, ça va être bien là. Oh, que c'est joli. Poste maîtrisé. Bon, c'est pas mal, hein. Dans leur lieu de vie, là, on est presque bien. Ici, il manquerait quoi là? Ah, je sais pas trop. Bon, ça doit faire remonter leur. Je vois que le stress est très bas. L'immunité, les rats est en train de se faire pourrir là. Quelqu'un vient ici là? Ouais, continuez. Allez les gars. Ah, c'est juste pour ramasser de la roche magmatique. Il y en a encore qui se font soigner, mais ça va, ça va. On est remonté à 12%. Lera, elle est pas bien, elle est ici, là. Ouais. Ok. Ça va. Voilà, ils font les petites moulures qui vont, voilà, rendre ça beaucoup plus joli. Super. Voilà, comme ça, ils seront contents d'aller faire pipi. Bon, il y a pas mal de choses également qui traînent par terre. Ça, on pourrait les ramasser. Allez, je crois que cet épisode, il est consacré à leur bien-être un petit peu là, parce que ils viennent de traverser des épreuves assez difficiles. Je vois qu'ils ont réparé une douche, très bien. Pas mal de trucs par terre ici, là, et même du métal raffiné. Ici, je stocke métal brut et métal raffiné, oui. Il y a du charbon. Le charbon, on n'en manque vraiment pas. Combien on en a? 54 tonnes. L'algue, on en a plus que 4800 kilos. Je vais peut-être. Je vais peut-être faire un truc là. Alors, je vais faire descendre l'échelle. Là. On va peut-être rajouter deux dalles ici et là. Voilà. Et c'est pour essayer le robot mineur. Voilà, il a un certain rayon d'action. Ça va donc faire pas mal de trous, tout ça là. Ah, peut-être qu'avec l'échelle, je pourrais pas. Il faut aussi l'alimenter. Ah, l'échelle va me gêner. Zut. Eh ben.
Je vais le mettre plus bas. Ouais. Et je vais descendre le mur en fait. Oh là, il se défonce là. Il se déchaîne. Je l'alimenterai après parce que je voudrais mettre une dalle correcte. Ici et là. Voilà. On va fermer ce coin-là. Et on va essayer le fameux robot mineur. Il a un rayon d'action comme ça. Waouh. On peut peut-être plus le changer là. Non, c'est trop tard. D'accord. Il a besoin de combien lui pour fonctionner? Aucune idée. 120 watts quand même. Ah ouais, c'est pas rien quoi. Bon, finalement avec un seul générateur à charbon et une roulette un peu plus haut, on assure pour l'instant toute l'électricité nécessaire. On va le brancher. De toute façon, on a ce qu'il faut. Ici, ces trucs-là, là, je vais quand même les... Je vais peut-être les enlever, je sais pas. On va le faire en fer. Et je vais... Ouais. On va virer ça. Ça. Et je vais mettre des dalles pour qu'on arrête un petit peu de tout polluer. Il y a un petit peu d'algues ici. Très bien. Voilà, on va fermer ça comme ça. Ok. Allez, qu'on voit cet appareil fonctionner. Ça serait pas mal, je pense. Normalement, on a pas mal de stockage là-haut. Peut-être que je devrais en remettre quelque part ici des stockages. Voilà. Là, ils peuvent monter sur deux. Donc, ça va. Et là, on mettra tout sauf le slime. On a du granit, de l'or. Et après, je mettrai dans l'autre sens pour qu'on creuse davantage en dessous là. Bien les gars, ils paraissent pas trop stressés, donc tout va bien. Oh, ça fonce. Un petit peu de chlorine là, très bien. Et là il va fonctionner. Il y a encore deux câbles à faire. Là, il ramasse la vase et il va le stocker dans les conteneurs. Très bien. Fond sur les conteneurs, très bien. Donc là on stocke tout sauf tout ce qui est organique, on n'a pas besoin. Sol cultivable, ouais, un peu. Les œufs de créatures, non. Minéral brut, non, j'ai pas envie. Minerai consommable, pourquoi pas. Métal raffiné, non. Si les minéraux, on va les stocker. Métal brut, non. J'aimerais bien qu'il remonte un peu plus haut. Matériaux de filtration, c'est le sable. Liquéfiable, non. Ingrédients industriels, non. Les graines, non. Divers. L'abyssalite, oui. Bien sûr. Et tout ce qui est agriculture, engrais et phosphorite. Pourquoi pas. Voilà. Et on copie les paramètres à côté. Ça reste en priorité 5. J'espère qu'ils vont le faire. Voilà, le robot est en train de fonctionner. Ça, c'est cool. Creuse tout ce qu'il peut. Alors il va creuser quoi là? Ah ouais, il va faire un beau carré. Même jusque là il va y arriver. D'accord, c'est très bien. Tiens, on dirait que la dalle est en train de se fissurer là. Ah non, c'était peut-être juste parce qu'il y avait le granit dessous. D'accord. Ça, on peut l'avoir ça ou pas avec le robot? Non, on ne peut pas l'avoir. Et c'est la roche sédimentaire. Oui, c'est utile. C'est utile. Ils récupèrent tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent. C'est très bien. Ça va permettre de faire un trou et après on creusera davantage par là, je pense. Là-haut, ça avance un peu. Pas plus que ça. On va mettre des échelles pour qu'ils puissent quand même... Ouais.
Finir ça là-haut, ok. Nouveau duplicant, faudrait vraiment qu'on ait quelqu'un de bien, quoi. Narcoleptique, poumon de plongeur, ça c'est très bien. Élevé, nettoyer, excavation. Et soins, il n'y a personne en soins ici, là, donc on va quand même rejeter. Et je prendrai, je pense, quelqu'un qui est capable de faire du soin, quoi. Bien, là ça a été nettoyé, c'est pas trop mal. On a peut-être de l'air pollué ici, là. C'est un peu gênant. Oxygène. Ouais, ça va. Les algues, ça fonctionne. On a 4300 d'algues. Et là-haut, ça construit pas beaucoup. C'est normal. Enfin, je sais pas si c'est normal. Mais... Voilà, on a un peu d'eau ici qui est propre apparemment. Ça dit pas qu'il y a des bactéries dessus, dedans. Ok, c'est la nuit, on est au 114e cycle. L'important c'est d'avoir amélioré leur confort, qu'ils se sentent bien. Vraiment, ça, j'y tiens. Alors tiens, par contre, la salle de bain là, on pourrait faire mieux. Donc on va user et abuser de ces trucs-là qui sont pas mal du tout en granit, très bien. On va mettre un par ici et un par là. Voilà, ici, on va rajouter quelques moulures, j'adore. Voilà, ça va être un peu mieux. Allez, c'est l'heure de la douche, les copains. Voilà. Vous avez des toilettes partout. Bon, là, il n'y a pas de passage ici, mais tant pis, vous ferez le tour. Ah, il y a toujours le hatch là qui. Parce que j'ai ouvert la porte, ouais. Donc il va continuer à produire du charbon, même. Voilà, un deuxième. Ouais, il y aura un élevage à faire aussi. Mais bon. On arrive en bout peut-être de l'appareil là. Non, il va aller jusqu'ici, ce qui est très bien. Qu'est-ce que tu nous fais là, Maï? Va construire. Oui, vas-y. Et là-haut, ça avance. Pas beaucoup. Voilà, ils apportent le grès. Je pourrais monter légèrement la priorité. Je vois que le système immunitaire est presque bien. Joshua qui est un peu faible. Jean, il est tombé à 48. Alors on va peut-être interdire à Jeanne de passer. On va attendre un peu. Et juste pour leur mettre un petit coup de stress là, avant la fin, on va leur dire, voilà, de... Ah, il y avait du 7. D'accord. De mettre ça en 7. Voilà, on va récupérer de l'or. On va récupérer pas mal de choses bien. Au niveau de l'ambiance, on est de mieux à mieux, je pense. Au niveau du CO2, ouais, il est bien retombé là, grâce justement à cette excavation là. Hey, pas mal. Intéressant cet appareil là. Intéressant. On va mettre des échelles de façon à pouvoir aller plus loin. Voilà. Ici, l'hydrogène est bien remonté là. Ok, et on pourrait même leur dire d'aller récolter toutes ces cochonneries là. Voilà, on en aura besoin pour se soigner. Oh, il y a pas mal d'algues là. Oh. Il y a un morbe, il y a du chlore, donc ça devrait le faire. J'ai bien envie, effectivement, de leur dire d'aller creuser cette algue là. Donc là, ils peuvent descendre. Ok. Ah, ça va bouffer les plantes, mais bon, tant pis. Ils peuvent descendre 2, 3, 4, 5. Je sais pas s'ils vont pouvoir, peut-être. L'important, c'est qu'ils puissent remonter. Vous êtes dans la chlorine, ça va vous faire du bien pour ce que vous avez. Voilà, là, c'est terminé. Oh,
C'est du rapide. Ok, lui, on va le démolir. On va démolir. Ouais, la dalle, on n'en a plus besoin. Celle-là non plus. Et on va s'amuser à en reconstruire un. Là, c'est tout. D'accord, il me faudrait le mettre ici. Ou alors, continue par là. Là, ça va ouvrir. Ouais, je vais faire comme ça. Je préfère. Pas trop creuser d'un coup. Ça, et puis on rallonge le câble. Voilà. Impeccable. Très bien. Là-haut, ça a dû pas mal avancer. Oui, très bien. Ah, j'arrive pas à voir ça. Voilà, là c'est inatteignable. Ouais, on va rajouter une petite échelle ici. Voilà, comme ça sera bien. On va mettre toute la même priorité du 7 jusque là et là. Voilà, comme ça tout est en 7. Joshua Jean, on va. Alors Joshua, lui, je t'avais dit de son. Tu n'y vas pas. Et Jean, on va interdire d'y aller. Voilà. Par contre, on peut peut-être rajouter. Alors, c'était qui le mineur là? On peut me rajouter. Ah, ben c'était Joshua justement. Ok. L'architecte Nisbet, elle, on va pouvoir la. 79. Ouais, on va surveiller ça de près. Donc, Jean, Joshua, vous n'y allez plus. On va mettre Devon, Max, Otto. Si on a 100%. Otto, tac, tac. Max, il y est. Et Devon. Allez, allez les gars. Là, ils vont chercher je sais pas quoi. Mais ils y vont. Ici, là-haut, toujours rien, toujours rien. On est remonté au max ici. Là, il y a tout un tas de charbon, vraiment beaucoup de charbon. Ce serait peut-être pas mal du tout d'avoir. Mais pour l'instant, je voudrais. J'en ai assez. Je voudrais me consacrer davantage de ce côté-là pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Soit un gros tas d'algues, soit un geyser avec de l'eau. Et l'eau, en parlant d'eau, ça baisse un peu. Mais bon, ils assurent l'approvisionnement de tout, c'est bien. Là, ils ne l'ont pas construit. Oui, ils ne peuvent pas parce que il me faudrait faire ça. Voilà. Très bien, ça fonce. Bon, je vais la laisser travailler un petit peu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des événements. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.